touché et une vingtaine de ménages affectés, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Et puis, 9 membres composent le bureau du réseau des journalistes miniers de l'Est. Ce bureau a un an pour mettre en œuvre les actions du réseau en matière d'information minière. La région compte de nombreux sites miniers et l'objectif du réseau est de porter l'information relative aux populations, notamment sur le fonds de développement minier. Bientôt, une convention de partenariat entre les régions des Hauts-Bassins au Burkina et celle du Bélier en Côte d'Ivoire. Cette information émane de la première session extraordinaire du Conseil régional des Hauts-Bassins. Il était question au cours de cette session de passer en revue les différents projets de développement de la région. Reportage Kassoum Milogo, Cédric Milogo et Moumouni Barou. La toiture de cette école s'est retrouvée ici, dans un arbre. Des dizaines. C'est la toute première session extraordinaire du Conseil régional des Hauts-Bassins au titre de l'année 2019. Une session qui a comme point essentiel l'examen et l'adoption d'une délibération portant sur l'autorisation de la signature d'une convention de partenariat entre la région du Bélier en Côte d'Ivoire et celle des Hauts-Bassins. Et je crois que c'est d'ailleurs autour des points culturels que nous sommes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pareilles à Bobo qu'à Toumoudi. Et par la suite, avec le TAC, nous avons vu qu'il y a la possibilité, de notre niveau, de prendre en compte l'université, la culture, l'agriculture, les métiers. Et donc nous avons décidé ensemble de pouvoir cheminer. Outre l'examen et l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers reçoivent des communications sur le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, ainsi que sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y a d'autres points à l'ordre du jour, c'est surtout pour que les conseillers puissent prendre connaissance des programmes de développement de la région. Vous savez qu'il y a des textes qui ont été pris pour interdire aux gens de fumer dans les lieux publics. On va porter à l'attention des conseillers le principe de ces textes. À noter que la convention de partenariat entre la région du Bélier et les Hauts-Bassins vise la création d'un cadre favorable au développement d'actions de coopération. Le village Kikilma, dans les environs de Boussé, a été balayé par des vents violents ce 1er juillet. Des arbres déracinés, des habitations détruites, voici le triste constat. Une soixantaine de maisons partiellement ou entièrement détruites et 27 ménages affectés selon un bilan de la police nationale. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Le constat avec Roger Bembamba et Ismaël Diloma Sirima. La toiture de cette école s'est retrouvée ici, dans un arbre. Des dizaines d'arbres arrachés, tels de simples herbes. Des maisons rasées, comme par un bulldozer. C'est le constat des séquelles du vent du 1er juillet à Kikilma, laissant les habitants de ce village, situé à 5 km de Boussé, dans le désarroi. Ce qui fait mal à la population, parce qu'ils n'ont pas de maison à dormir. Et tous les toits sont partis, les maisons sont tombées. Et d'autres même, leur grenier même, a été emporté par le vent. La police et les agents de l'action sociale trouvés sur les lieux ont noté de nombreux dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Un blessé a été enregistré. Il était à l'intérieur de cette maison qui s'est écroulé sur lui. Vraiment, c'est mon genou qui était blessé, déplacé. Mon rein a déplacé. Bon, c'est là aussi, des briques aussi taillées. Bon. Vous voyez, mon bras aussi, là. Voilà, touche là, c'est touché. Avec mon dos aussi, tout est touché. Vraiment. Après un jour passé en observation à l'hôpital, il semblerait que sa vie soit hors de danger. Cependant, c'est avec difficulté qu'il rentre chez lui. Et des personnes du village d'indexer des pratiques mystiques comme la cause de ce vent violent.
L'association des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina, section au bassin, célèbre ses 10 ans. Diverses activités au programme de cette manifestation qui a lieu dans la ville de Sia, une sensibilisation sur l'action humanitaire ou encore une opération de permis de conduire. Le point avec Martin Zerbo et Mireille Carole Tougman. Noufou Souré reçoit son permis de conduire des mains du président de l'association Soukri Norma, des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina. Comme lui, ils étaient 223 à participer à cette opération, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de l'association. Vous voyez la sécurité de l'hôtel qui est là. Nous avons commencé nos activités avec la sécurité de l'hôtel qui venait sensibiliser les jeunes. Mais on a eu l'idée, bon, on fait, mais ça, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc on a eu l'idée d'organiser cette opération-là. 104 personnes qui ont eu leur permis officiel. Et on a 113 personnes qui sont en cours. Ceux qui peuvent venir s'inscrire, c'est les commerçants, les ouvriers qui peuvent venir s'inscrire. L'initiative est bien appréciée par le ministère en charge des transports, pour qui le permis de conduire permet la maîtrise du code de la route, tout en contribuant à lutter contre le chômage. Le permis de conduire est un titre de transport. Et au-delà donc de sa dimension fonctionnelle, c'est un outil de socialisation, mais également un outil d'insertion sociale et socio-professionnelle dans ce sens qu'il permet donc dans ce monde moderne à chaque individu d'être dans une situation de mobilité légale. En marge de cette activité, l'association Soukri Norma des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina a également remis un lot de nattes, de couvertures, de vivres, bref, de quoi venir en aide aux déplacés de Yirgou. Le réseau des journalistes miniers de l'Est a été porté sur fonds baptismaux ce 27 juin. Le réseau est composé de 9 membres pour un mandat d'un an. La région de l'Est compte de nombreux sites miniers et l'objectif du réseau est de porter l'information relative aux populations, parmi lesquelles la question de la préservation de l'environnement ou encore celle du fonds de développement minier. Reportage Alassane Kendrewego et Ibrahim Sanou. Le réseau des journalistes miniers de la région de l'Est vient de voir les jours. Il a pour objectif de mettre à la disposition des populations de la région des informations juste en matière de mines. C'est un réseau qui a été suscité par les journalistes de la région de l'Est d'abord, mais qui a bénéficié de l'accompagnement à la fois de Semafo, Bungu, mais aussi au travers de l'agence Titan Vision. Ici, c'est de permettre une facilité d'accès à l'information, produire des contenus qui se rapportent un peu à la vie des mines, que ce soit les questions d'employabilité, que ce soit les questions liées au fonds de développement minier, que ce soit les questions environnementales. Fort de 9 membres, le nouveau bureau entend le plus tôt possible mettre en place un plan d'action pour mener à bien sa mission. Je vais seulement lancer un appel à l'unité d'action autour de ce bureau pour que nous puissions réussir cette mission-là. Ce réseau est très utile parce que je vis dans la province où même se trouve le site et je sais qu'il y a eu une carence d'informations en matière d'informations minières. La population n'était vraiment pas informée et je pense que ce réseau va vraiment être l'interface entre Semafo et les populations qui ont vraiment besoin de comprendre ce que fait Semafo sur le terrain. Et Semafo, présent dans la région à travers la mine de Bangou, de se réjouir de cette collaboration. Elle remet, séance tenante, 3 ordinateurs portables au réseau pour son bon fonctionnement. Les églises évangéliques CIM de Fada ont organisé une journée de salubrité, une action qui a consisté au curage des caniveaux de la ville en cette saison pluvieuse. Une action donc d'assainissement du cadre de vie et qui peut aussi prévenir des cas éventuels d'inondation. Le constat avec Mathias Nikiema, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. Munis de pelles, de râteaux et de brouettes, les fidèles évangélistes de Fada prennent d'assaut les caniveaux de la ville. Cette initiative des églises évangéliques CIM est une façon d'apporter leur contribution à l'assainissement de la ville. La propriété de notre environnement nous incombe à nous tous.
et on ne doit pas attendre tout de l'État. Et nous avons voulu en fait donner un exemple pour que chacun prenne conscience que l'environnement dans lequel nous vivons, nous devons en prendre vraiment toute la responsabilité. Jeunes, femmes et autorités communales se sont tous mobilisés pour faire de cette journée une réussite. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir un bon nombre de femmes qui participent activement à cette activité. Les femmes sont en train de curer. Il était de notre obligation de venir les féliciter, les encourager pour ce travail noble qui est fait pour le bien commun. Parce que l'assainissement, c'est le premier pas de la bonne santé. Quand une ville n'est pas assainie, c'est la dispersion des maladies à l'intérieur de la ville, c'est les nuisances. Cette journée de salubrité est à sa première édition. Pour les organisateurs, ce curage des caniveaux va permettre de bien drainer les eaux de pluie afin d'éviter d'éventuelles inondations en cette saison hivernale. Dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, l'on s'engage aussi pour l'assainissement du cadre de vie. Et pour cela, le conseil municipal a remis du matériel aux populations de sa circonscription. Ce sont au total une centaine de ménages qui en ont bénéficié. La remise avec Salif Belem et Zalissa Sanfo. Un ménage, une poubelle pour un cadre de vie sain. C'est le leitmotiv de la municipalité de l'arrondissement numéro 10 de Ouagadougou. À travers le projet de renforcement de la pré-collecte des ordures ménagères, elle met ici à la disposition des ménages des poubelles subventionnées. Environ 130 foyers bénéficieront de ce matériel de collecte des ordures. Nous sommes très contents de ce geste de la mairie de l'arrondissement 10 de Ouagadougou parce que avant nous avions des difficultés pour évacuer nos ordures ménagères. Mais avec ces poubelles, nous allons pouvoir assainir notre milieu de vie. Priorité à l'arrondissement numéro 10, seuls les ressortissants de cet arrondissement bénéficieront de ces poubelles subventionnées. Quand vous venez pour souscrire, il y a une fiche que vous remplissez. Et la fiche, là, vous devez accompagner ça par votre facture ONEA ou bien Sonabel. Si vous êtes dans une zone lotie, si vous êtes dans une zone non lotie, comme au 45 et au 41, nous filtrons à travers les conseillers. L'inscription, c'est 5 000 francs. Ça veut dire que si vous venez pour prendre la poubelle, vous payez 5 000 francs. Sur la fiche, vous vous engagez à payer 1 000 francs par mois. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la vente des poubelles. Mais tous les ressortissants de l'arrondissement numéro 10 ont jusqu'en fin juillet pour s'en procurer. Et pour assurer la continuité opération commune propre, une équipe sillonnera l'arrondissement pour collecter les ordures conservées dans ces poubelles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.